Bonjour Milicieux Co-créateurs, c'est Lilou, toujours au salon Zen de Paris avec Saverio. Bonjour, et tu viens de faire une conférence, alors je suis ravie, je te découvre. J'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup d'émotions dans cette salle, que c'était vraiment un très beau moment. Tu as écrit plusieurs livres, hein. Là c'était sur le couple cette conférence. C'était sur le couple et l'amour, et c'était effectivement une très belle conférence avec une salle pleine d'authenticité, de sincérité, d'émotion. Et c'était fabuleux, oui. T'es français ? Je suis français, je suis né en France, de père italien, et ma mère est suisse et française, voilà. C'est un joli mélange. Tu as écrit plusieurs livres ? Oui, j'ai écrit un livre sur la confiance en soi, un livre sur l'abandon, un livre sur le traumatisme, un livre sur la sensibilité, et donc un livre sur l'amour. C'est des sujets... comment ça s'est passé, cette découverte ? Pourquoi cette passion et puis cette envie d'écrire et... C'est une rencontre avec une éditrice. On s'est posé des questions sur ce que vivaient les gens en ce moment, sur les difficultés, comment mieux y répondre, comment les aider. Et petit à petit, d'année en année, voilà, toucher les sujets qui parlent. Et là, d'après les questions apparemment et les gens, les questions qu'il y avait, il y a vraiment une souffrance. Hein. Qu'est-ce qui s'est révélé pendant cette conférence ? Je dirais beaucoup de choses. Déjà, nous avons partagé ensemble la passion de l'amour. J'ai trouvé que déjà, ce qui était beau, c'était de... Même si la relation amoureuse peut être difficile, parfois elle est merveilleuse et formidable, mais même si la relation amoureuse peut être difficile, j'ai senti qu'il y a comme une passion commune, un désir commun de vivre l'amour, de ne pas baisser les bras et se dire « on va réussir à bien vivre l'amour ». Et ça, c'était fort dans le courant entre la salle et moi. Oui. Et là, pour toi, il y a un changement au niveau de l'humanité ou de la conscience ou des gens. Il y a une certaine évolution, donc... C'est sûr qu'il y a une évolution parce que déjà, il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de prendre conscience de ce qu'elles vivent, que ce soit au travail, en famille, dans les relations amicales et bien évidemment dans la relation amoureuse. Donc, de plus en plus de personnes qui ont envie de prendre conscience, d'être en conscience, notamment de plus en plus d'hommes, mais aussi... Peut-être une authenticité, une espèce d'humilité, de sincérité, de se dire « je vais me poser les bonnes questions, je vais arrêter de toujours dire « c'est la faute de la société, la faute des autres, je vais essayer de voir, moi, comment je vis tout ça ». Oui, ça évolue dans ce sens-là. Et quelles sont pour toi les clés ou le questionnement ou la façon d'aborder la vie pour être bien dans ses baskets, pour retrouver du bonheur, que ce soit avec son couple, dans la vie au quotidien ? Moi, je dirais que tout est lié. C'est-à-dire, c'est pas bon de se focaliser uniquement sur la relation amoureuse ou la rencontre amoureuse, ou de se focaliser uniquement sur le travail ou sur les enfants, ou sur le sport ou sur une activité artistique. Je dirais qu'on a besoin de créer notre recette avec des épices de toutes sortes, des ingrédients de toutes sortes, et de ne pas négliger quelque chose de soi-même. En fait, pour être bien, on a besoin d'accorder du temps et de l'espace à toutes nos potentialités. Et en fait, au début, on croit qu'on ne va pas avoir le temps, et ce n'est pas vrai. On peut faire énormément de choses, et si on consacre du temps à tout ce qui nous fait envie, eh bien, on finit par être épanoui et heureux. Et ça attire beaucoup plus une autre personne pour une vraie relation amoureuse, que de se focaliser uniquement sur « je vais rencontrer la bonne personne » et ne penser qu'à ça. C'est vraiment aussi un état d'esprit, un contexte concret même, ou comment on avance à ce moment-là, pas à pas, parce que je sais que moi, dans les conférences, ou ce que j'entends, c'est vraiment pas à pas, en fait, les choses commencent à s'ouvrir. Alors ça, déjà, c'est un élément fondamental, que dans la vie, l'ouverture à la réalisation de nos désirs, elle se fait progressivement. Et c'est ce que je vais semer aujourd'hui, ce que je vais commencer à mettre en place, même de façon très ténue aujourd'hui, qui va porter ses fruits dans plusieurs mois ou plusieurs années. Donc surtout, ne jamais baisser les bras. Enfin, on peut baisser les bras quand on est très découragé, mais pas trop longtemps. Et de recommencer avec de l'enthousiasme, parce que le moindre de nos élans vers quelque chose de créatif va, d'une façon ou d'une autre, porter ses fruits. Des fois, ces petits détours qu'on ne comprend pas très bien, on était enthousiaste et puis en fait, non, on se prend une claque, on décide de ne pas aller là, ça y est, c'est pas pour nous. Exactement. Faisons des détours. Acceptons de prendre des vestes et des claques parce que de toute façon, tout ça est créatif. À partir du moment où je suis dans le mouvement de la vie, à partir du moment où je dis, tiens, j'ai cette idée, je vais voir ce que ça donne, eh bien, ça va porter ses fruits, même si je me prends une porte. Voilà, c'est... De ne pas se décourager trop longtemps, évidemment, sur le coup, c'est pas facile à vivre, donc on va pas artificiellement positiver quelque chose qui n'est pas facile à vivre, mais d'être de nouveau dans l'élan, c'est-à-dire de ne pas se laisser abattre par quelque chose qui n'a pas été aussi facile ou comme on aurait voulu.
Il y a un petit pas ou une petite technique à utiliser comme ça pour justement dans ces moments difficiles arriver à retrouver sa sérénité ou... Alors oui, il y a déjà la méditation. Quelle que soit sa forme, on peut méditer en méditation zen stricte, comme on peut aller se promener dans la nature, comme on peut écouter la musique qu'on aime, comme on peut regarder une photo qu'on aime, mais se mettre dans un état contemplatif où quelque chose se pose. Je vais arrêter de m'agiter. Si je me suis trompé ou si j'ai vécu quelque chose de difficile, ça vient me dire quelque chose. Peut-être simplement d'arrêter parce que j'en fais trop, ou peut-être que je m'étais pas adressé à la bonne personne ou pas de la bonne façon. Donc déjà de prendre ce temps de je souffle, tranquille et sans se culpabiliser, sans se dire ah mon Dieu je m'y suis mal pris. Non, déjà je me pose. Je souffle et je vois ce qui vient. Et puis, bon ça c'est la première chose, et puis se tourner vers les personnes qui nous aiment. Il y a sur Terre des personnes qui nous aiment. Nos enfants, nos amis, proches ou lointains, même s'ils sont proches, on peut leur téléphoner, envoyer un mail. Mais se dire, je vais faire un petit clin d'œil ou je vais passer du temps avec une personne qui m'aime. Parce que ça fait du bien. Et ne pas se replier sur l'échec ou du négatif ou du... Ça ne va pas. Non. La vie, ça peut durer longtemps. Ça risque, si on s'y enferme, hein, ça risque de durer longtemps. On a cette impression en tant qu'être humain des fois qu'il y a quelqu'un qui va toquer à notre porte et nous sauver. Hein. C'est vrai que ça peut arriver, mais c'est assez rare. Il vaut mieux qu'on se mette nous en chemin. Oui. Et d'être 100% responsable de sa vie. Alors, est-ce qu'on peut vraiment, parce qu'il y a des épreuves qui sont très difficiles, est-ce qu'on peut dire ça? C'est-à-dire que être responsable de ce que je dis, de ce que je fais, oui, parce que ça me permet, là encore, de ne pas détourner ou renvoyer la responsabilité sur les autres en attendant que les autres changent ou la société change, alors que c'est à moi de me transformer. Donc oui, être responsable, mais aussi dans certains événements très douloureux comme la mort de quelqu'un ou une rupture, une séparation, prendre le temps d'accepter la réalité telle qu'elle est, aussi douloureuse soit-elle. Et là aussi, on peut avoir besoin d'être aidé. Temps aussi, hein, parce que des fois on a du mal à accepter qu'il y ait ces périodes, je vois, de chômage, des périodes où on est seul, où on est célibataire, où on est divorce justement à la suite d'une rupture de couple ou autre. Hein. C'est des périodes qui sont difficiles et pourtant nécessaires. Voilà, comme vous le dites dans votre livre, hein, c'est vraiment des périodes qui sont à la fois difficiles, mais des opportunités fabuleuses pour remettre certaines choses à plat, pour commencer à regarder autrement sa vie, pour regarder en soi, pour se dire de quoi j'ai vraiment envie, et puis y aller. Donc oui, ça prend du temps, mais avec peut-être l'idée de se dire je vais mettre à profit cette période difficile pour provoquer aussi. Provoquer même des petites provocations, on bouge quelque chose, on change une habitude, on revoit un ancien ami qu'on ne voyait plus, on se remet à faire du sport, on n'en faisait plus, j'en sais rien. Mais remettre quelque chose en mouvement, en fait, ce sont des opportunités pour remettre du mouvement. C'est la stagnation, c'est la fixité qui fait que ça ne va pas à un moment ou à un autre. On a besoin d'être en perpétuel mouvement et changement. L'abandon, vous avez écrit un livre sur l'abandon. C'est vrai que c'est une grosse blessure, ça, pour pas mal de personnes. Hein. Ça se passe dès l'enfance et on trimballe ça toute notre vie. Voilà, l'abandon, c'est une des plus graves blessures de l'être humain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'abandon, l'enfant abandonné par un parent, que ce soit lors d'un divorce, l'enfant se sent abandonné, un parent qui meurt ou il y a vraiment des parents qui abandonnent leurs enfants. C'est vrai que ce sont des abandons terribles, mais il y a toutes sortes de situations où on peut légitimement se sentir abandonné. Et déjà rien que de se dire je peux légitimement me sentir abandonné dans telle ou telle situation qui de l'extérieur peut sembler finalement ne pas provoquer de vraies douleurs, mais si, il y a des circonstances de la vie où on peut légitimement se sentir abandonné. Et du coup, ça donne le droit, même si c'est pas le bon mot, mais ça donne la chance de prendre soin de soi. Parce que le problème de l'abandon, c'est que si j'ai été abandonné une fois ou plusieurs fois, je risque de m'abandonner moi-même. C'est-à-dire de ne pas prendre soin de moi. Or, il y a des moments de la vie où on a vraiment besoin de prendre soin de soi. Donc, je pense que c'est important de regarder ces blessures d'abandon et de voir de quelle façon j'ai été blessé. Déjà pour me guérir de ces blessures-là, puis faire attention, être vigilant pour ne pas forcément se remettre dans des situations qui pourraient reprovoquer des blessures aussi profondes.
on se sent très touché hein, par quoi en fait ? Parce que ça se voit sur dans tes yeux qu'il y a vraiment un... Mais c'est la joie, hein, c'est du bonheur, c'est de l'amour. Qu'est-ce qu'il y a là ? Mais je pense que l'amour, la joie, l'enthousiasme, c'est que les pires moments d'une vie, s'ils sont partagés avec quelqu'un qui les écoute vraiment, qui les entend, qui les accueille, peuvent être transcendés, peuvent être transformés et peuvent devenir une sagesse. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Les personnes qui ont vécu les pires choses, si on les accueille vraiment, si on les écoute, si on entend ce qu'elles disent, leur douleur, leur souffrance, etc., il y a tout le temps un moment où on peut passer à autre chose, on peut retrouver le goût de la vie, le sourire, l'élan, etc. C'est ça qui peut-être fait pétiller mes yeux. Et au quotidien, donc, tu pratiques, tu reçois, tu consultes, Je suis psychanalyste, donc je travaille tous les jours, du début de la journée jusqu'à la fin de la journée. Sur Paris ? Non, sur Nice. J'ai été longtemps sur Paris, puis j'ai choisi d'aller sur Nice. Voilà. Le soleil. Ouais. J'aime le soleil. Oui. Merci et bravo de cette belle conférence. Merci beaucoup, merci. Et à très bientôt ! Plein de gros bisous aux délicieux co-créateurs qui regardent. Gros bisous du Salon Zen de Paris. On vous embrasse. Au revoir.